Ça va? Oui. Normalement, il devait y avoir des mères Noël, non? C'est pas ça? Ou des pères Noël, je sais pas, des gars en string comme ça, avec des boules. Il n'y en a pas. Ils vont arriver ou bien? Non, bon. Ok, et eh ben tant pis, on va jouer et puis on verra bien. Viens pas, il y a personne. Excuse-moi. Il y a bien un jour maintenant. Ça signifie merci beaucoup en slovène. Et vous vous souvenez de comment on s'appelle? Kremšnita. Kremšnita. La Kremšnita, c'est un gâteau slovène. Et dans la chanson qui vient, on va parler de ce gâteau qui est fait avec de la crème. Et on va dire que vous voulez les traductions? Fais-nous croire que tu parles slovène. Ça veut dire donne-moi ton amour, je ferai ton bonheur. Donne-moi ta crème, j'en ferai une crème schnitzel. Voilà, donc c'est une histoire qui parle à la fois d'amour et de crème parce que de quoi on peut mélanger les deux. Sauf quand on est vegan. Alors là, par contre, ça pose quelques soucis au niveau de. Ah non, je pense que c'est. Bref, crème schnitzel. Thank you.
anglais parce que Boban c'est un prénom en fait. C'est par exemple le prénom de Boban Marković qui a fait des morceaux. Alors après, comme il en a fait plusieurs, on a pris des morceaux, on les a mis ensemble, ça s'appelle un medley. Alors après on a appelé ça Boban Medley. Voilà. C'est pas très drôle, mais au moins ça vous explique les choses. Bravo. Merci. Merci, c'était la présentation France Culture. Parce que mon père il disait que je pouvais peut-être la faire, mais en fait non. Et si jamais j'étais allée et qu'on m'avait un peu demandé c'était quoi mes convictions dans la vie, j'aurais dit que la guerre c'est mal. Le lard c'est bon. Et l'art c'est bien. Mais comme j'y suis jamais allée à l'élection de Miss France, après j'ai fait une chanson qui dit que la guerre c'est pas bien. Et si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez.